Voilà! Voilà! Qu'est-ce que c'est? Pascal! Ah! Bonsoir, oncle Noël. Ouais. Tu pouvais pas venir plus tôt? Ta pétrolette ne marchait peut-être pas assez vite. J'ai fini 150. Ouais, bah, tu finiras par te casser le cou. Ouais. Veux-tu me dire de quoi t'as l'air avec cet engin qui n'est même pas français? Allez, 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 entre. Ah, oncle Noël, je vois que vous êtes en pleine forme. Hein? Oui, mon toubib de Poitiers m'a dit que vous finirez centenaire. Faudra vous tuer. Vous m'en voyez ravi. Oui, tu n'en penses pas un mot. Oh. Ah, d'ailleurs, cet imbécile n'y connaît rien. Ben oui, mon cœur a dératé. Tu crois qu'il prend ça au sérieux? Il me répète tout le temps, vous n'avez rien. Payer 3000 balles pour s'entendre dire qu'on n'est pas malade, c'est cher, hein? Pourquoi viens-tu si tard? Je voulais vous laisser dîner tranquillement. Oh, tu sais, moi, le soir, une tasse de lait et un fruit. Ah, ce n'est peut-être pas suffisant. Ah oui, ben, attention, attention, à midi, je mange comme quatre. Ah oui, faut pas m'en promettre. La femme de ménage me mijote de ses petits plats. Bravo. Si t'as trop chaud, enlève ta veste. Oh, là, 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 pouf. Jamais vu un mois de juillet aussi étouffant. Il n'y a pas un brin d'air. Pourtant, avec votre jardin et le bois de vieux chêne qui est au bout, ça ferait rafraîchir un peu. Mais tout crève, il n'y a pas d'eau. Si t'as soif, il y a de la bière. Je demande pas mieux. Dans la cuisine. Vous en prendrez aussi? Non, 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 moi je viens de boire. Ah. On se déshydrate. Alors? Alors quoi? Alors quoi, je suppose que t'as pas fait 50 km jusqu'à mon bled uniquement pour prendre des nouvelles de ma petite santé. Bien sûr que si. Et puis je suis venu aussi pour deux autres choses encore. Ah, dis-moi ça. D'abord, on est le 18. Je vous apporte vos intérêts. Ah, mais oui, c'est vrai. Tiens, j'y pensais plus. Allez, 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 oncle Noël. Si j'étais pas venu ce soir, vous me relanciez dès demain matin. Bah, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas riche, moi. Oui, on va vous plaindre. Tenez, voilà vos 300 francs. 300? Mais dis donc, c'est 30 000 que tu me dois. 300 francs nouveaux pour 30 000 anciens. Oui. Bah, ça, bah, qu'est-ce que tu veux? Ça, je m'y ferai jamais. Si vous voulez compter. 10, 20, 30... Il y a le compte. 40, 50... Il y a le compte. 50, hein? Oui, oh, exact. Une seconde que je range ça dans mon tiroir. Bien, 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 bien. Voilà. Et la deuxième chose. Une bonne nouvelle. T'as gagné à la loterie? Mieux que ça. Je vais me fiancer. Avec qui? La fille de Monsieur Duclerc, un type qui a une grosse affaire de textile à Saint-Vincent. Compliment. Et la petite s'appelle? Evelyne. Ouais, un nom anglais. Et après? Elle te plaît? Ah, ben, ce serait difficile. Tenez, regardez sa photo. J'aurais 40 ans de moins. Râle. La dot est aussi belle? On le dit. Tu sais pas le chiffre exact? J'ai des données suffisantes pour être optimiste. Comment as-tu connu cette petite? Oh ben, tu sais, Saint-Vincent n'a que 6000 habitants. J'ai été invité plusieurs fois à des réceptions chez Monsieur Duclerc. J'ai flirté avec sa fille. Fille unique? Oui. Et nous nous sommes découverts des tas de points communs. Mais c'est simple, nous avons exactement les mêmes goûts en tout. Nous aimons les mêmes gens, les mêmes livres, la même musique. Attention, attention. Elle ne doit pas être tellement commode. Et à quoi voyez-vous ça? Ses yeux sur la photo. Elle est peut-être un peu hautaine. Forcément avec sa situation. Non, mais en réalité, c'est une très chic fille. Et une passionnée. Ah oui. Oui, oh, ça, mais je vois ça, moi. Je vois ça à sa lèvre inférieure. Oui. Alors, c'est le grand amour. Ça, je crois que maintenant, la vie l'un sans l'autre ne nous semblerait plus possible. Et le papa, il a dit oui? Il ne sait encore rien. Tu crois qu'il te jugera digne de devenir son gendre? Oui, mais à une condition. Il voudra être certain de mes qualités d'homme d'affaires. Oui, parce que lui, c'est le businessman 100%.
Ah. Ses graphiques, ses courbes de production, son chiffre de vente, agrandir ses ateliers, il n'a que ça dans la tête. Alors il a toujours dit qu'il ne donnerait sa fille qu'à un garçon capable de faire fructifier la dot. Quitte à s'associer avec lui, ce serait formidable. Oui, eh ben, mais dis donc, ça me paraît très bien tout ça. Grâce aux millions que je t'ai prêtés, j'espère que te voilà sorti d'embarras. Ta réputation doit être excellente à Saint-Vincent, hein? Oui, oui. Mon million, tu me le rends toujours bien à la fin de l'année. Oui, oui, puisque c'est convenu. Bon, ben, alors tout va bien. Tout va bien, oui, enfin, c'est-à-dire que... Quoi? Il y a quelque chose qui ne marche pas? Qui ne marche pas, c'est pas le mot, non. Enfin, les affaires sont très difficiles. Oui, ben, ça va pas durer. Oui, mais en attendant, il faut tenir. Et tu tiens? Et non. Comment non? L'année dernière, j'ai dû acheter un nouveau tour automatique. Ah, ça, j'avais dit d'attendre. Mais vous ne vous rendez pas compte que les techniques évoluent à une vitesse folle. Alors, si l'on veut se défendre, il faut produire toujours plus vite et meilleur marché. Dans le petit matériel électrique, la concurrence est terrible. Oui, actuellement, les grosses usines arrachent des ordres presque à prix coûtant pour continuer à tourner. Et moi, j'en ai pas les moyens. J'ai dû débaucher 12 ouvriers, la moitié de mon effectif. J'ai mieux vous dire que ça n'a pas été sans cri. Un nommé Loury est allé jusqu'à me faire des menaces de mort. Pendant ce temps-là, mes rentrées d'argent étaient à peu près nulles. Alors maintenant, j'ai des retraites à payer. Tu as pris des arrangements? Mais je n'ai pas pu les respecter. Et mon principal fournisseur veut me flanquer en faillite. As-tu vu ta banque? Le siège a répondu qu'ils avaient des ordres pour restreindre les crédits. Et en tout, combien tu dois? 1 200 000 francs. Je ne les ai pas. Bah, dans ce cas, mon petit, je vais te donner un bon conseil. C'est la mort des petites industries. Et comme disait Napoléon de l'amour, la victoire est dans la fuite. Oui. Ben, moi, je serai toi, je liquiderai tout ce que j'ai. Je paierai mes dettes, je rembourserai le million que je dois à l'oncle Noël, et je me ferai engager dans une grosse société. Mais si vous croyez qu'on attraperait moi... Oh, ben, alors dans ce cas-là, mon petit, débrouille-toi. Mais c'est bien ce que je veux faire, et... Je vous demande de m'aider une dernière fois. C'est-à-dire? Prêtez-moi 1 200 000 francs. Ah, 1 000 regrets, je les ai pas. Allons donc, rien que dans ce tiroir, j'ai vu au moins 20 liasses de billets de 10 000. Ah oui, pas de touche, hein. Ça, c'est pour le père Villeroy. Père Villeroy? Ah oui, je lui achète son terrain. Je le guignais depuis longtemps, et pour une fois que dans la région, il y a quelque chose à vendre, je vais pas laisser échapper une occasion pareille. Il veut que je lui paie... une partie de la somme de la main à la main. Bon. Mais vous avez des titres? Ah, pas question de les vendre. Dans l'état où est la bourse, je perdrai 30%. Eh bien, je vous paierai la différence. Prêtez-moi 1 200 000 et je vous rembourserai 1 560 000. Ah, vraiment? Et quand? Après mon mariage. Oh, ce que tu me dégoûtes. Et vous? Tenir à vos sous à ce point? Vous ne trouvez pas ça écœurant, non? Mon argent est à moi, et je le garde. Vous devriez avoir honte. Tu oses me dire ça? À moi qui t'ai prêté 1 000 000? Oui, 1 000 000, mais à 12%. Vous ne les auriez jamais trouvés ailleurs. C'est vous qui m'exploitez. C'est vous qui devriez me dire merci. Allez, sors d'ici. Sors d'ici où je fais un malheur. Qu'est-ce que vous dites? Tu n'es qu'un ingrat. Je me suis saigné aux 80 pour te rendre service. Et voilà ma récompense. Allez, débarrasse-moi le plancher. Que je ne te revois plus. Si c'est vrai. Je vous ai toujours témoigné de l'affection. Je suis votre seul parent. Vous ne savez pas quoi faire de votre fric. Et au moment le plus critique de mon existence, vous refusez de m'aider. Vous préférez me voir déclaré en faillite et manger mon mariage. J'ai travaillé toute ma vie pour assurer mes vieux jours. Pas pour entretenir un incapable. Je me fous de toi, de ton mariage et du reste. Vous êtes lamentable. Oui, la raison de plus pour ne plus revenir. Hein. Oui, mais je me ferai une raison. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? L'air est pur, la route est large. Je crois rêver. Oui, va rêver ailleurs. Pas encore. J'ai un dernier moyen d'en sortir. M'intéresse pas. Oh, mais si. Et vous allez m'écouter. Cette maison, hein, vous y êtes né. Papa aussi. Vous seul en avez hérité, ainsi que de la ferme et des terres. Mais ton père a eu autre chose. Oui, et en particulier le bois de vieux chêne qui est au bout de votre jardin. Il l'a eu dans sa part parce qu'il l'aimait plus que vous. Dans son enfance, il y passait ses journées. Vous n'y alliez jamais. Mais quand il a été sur le point de mourir, vous lui avez demandé qu'il voulait que ce bois parce qu'il donnait de la plus-value à votre propriété. Je lui ai proposé de le payer. Oh, une somme si ridicule qu'il a préféré nous en faire cadeau à tous les deux en individu. Il savait bien que tout en reviendrait, puisque t'étais mon seul héritier. Je ne souhaite pas votre mort.
C'est pas l'argent à venir qui m'intéresse, mais celui que je peux toucher tout de suite. Ce bois qui nous appartient tous les deux vaut 6 millions. Mm-hmm. Je me suis renseigné. Je vous vends ma part pour 1 200 000 francs. J'ai pas la somme disponible. Alors vendons-le et avec mes 3 millions, je me tire d'affaire. Ah, tu ne parles que de toi. Bah et moi, qu'est-ce que je ferais de l'autre moitié? Des papillotes? Y'a rien à acheter dans ce pays et ce bois peut encore prendre de la valeur. C'est de l'argent tout de suite qu'il me faut. Ton père nous a donné ce bois parce qu'il a reconnu qu'il ne fallait pas morceler le domaine. En te disant non, je respecte sa volonté. Lui, pour m'aider, il aurait tout vendu. Et je vous interdis d'évoquer le souvenir de mon père pour justifier votre avarice. Ne me mettez pas à bout, oncle Noël, ou je ne réponds plus de moi. Voulez-vous, oui ou non, me donner la possibilité de vendre ce qui m'appartient? Non, et non. Je ne saurais quoi faire de cet argent liquide et je n'accepterai jamais de diminuer la valeur de ma propriété. Vous êtes ignoble. Ah, je suis ignoble. Vraiment. Eh bien, pour une fois, tu n'auras pas menti. J'y pensais depuis longtemps. C'est toi qui l'auras voulu. Tout ce que j'ai, tu entends? Tout, je le mets dès demain en viager, de telle sorte qu'à ma mort, tu n'auras rien. Pas un sou, pas un. Ah si, la moitié du bois de chêne. Ça te fera une belle jambe, hein? Une jambe de bois avec laquelle t'iras loin. Et si, à la fin de l'année, tu ne m'as pas rendu mon million, c'est moi qui te ferai tomber en faillite. Salaud. Qu'est-ce que t'as dit? Salaud. Vous m'avez giflé. Vous m'avez giflé. Pascal, ne me regarde pas comme ça. Pascal! Tu me fais peur. Salaud. Pascal. Mais non, j'ai dit ça pour rire. Pascal. Pascal. Entrez, monsieur, entrez. Ma secrétaire me dit que vous insistez pour me voir et que vous ne voulez pas dire à quel sujet. C'est exact, monsieur Grison. Je me présente, Pierre Gassin, de la Sûreté Générale de Poitiers. Ne pouvant ouvrir à cette heure-ci qu'à votre usine, j'ai préféré garder l'incognito. La police chez le patron aura fait marcher les langues dans votre personnel. Mais j'apprécie votre discrétion. Veuillez vous asseoir. Merci bien. Monsieur Grisol, vous avez bien un oncle appelé Noël Grisol, domicilié à Bruyères dans la Vienne, à 50 km d'ici. Oui. Il y a longtemps que vous l'avez vu? 3 mois environ. C'était le frère de votre père. Oui, mais pourquoi dites-vous c'était? Parce qu'il est mort hier soir. L'oncle Noël? Oui. C'est pas possible. On lui aurait acheté sa santé. Le cœur un peu fragile, peut-être. Enfin, comme il le disait lui-même, ce sont les vases fêlés qui durent le plus longtemps. Oh, le pauvre vieux. Si je m'attendais à ce... Il y avait quelqu'un auprès de lui? Comment est-il mort? Assassiné. Qu'est-ce que vous dites? Les gendarmes ont relevé sur son cou des traces de strangulation et l'argent qu'il gardait dans un tiroir a disparu. Oh, ça devait arriver, ça. J'aurais juré que ça finirait comme ça. Vous voyez, je n'aimais pas qu'il vive seul à 72 ans. Vous pensez quel proie pour un cambrioleur? On en a volé beaucoup? Plus d'un million et demi. Que de fois lui avais-je dit, ne gardez pas l'argent chez vous. Sa femme de ménage aura bavardé. Soupçonnez-vous quelqu'un? En principe, tout le monde. Non, enfin, sérieusement, pensez-vous à quelqu'un en particulier? Peut-être. Vous voyez souvent votre oncle? 3-4 fois par an. Bruyères est à 50 km et je suis très peu par mes affaires. Oui, bien sûr. Comment vont-elles? Qui ça? Vos affaires. Oh, très bien, merci. Ça parlera pas. Non, mais je me suis laissé dire que vous éprouviez actuellement quelques difficultés. Ah, c'est à Saint-Vincent qu'on vous a raconté ça? Pour nous, vous savez, toutes les sources sont bonnes à condition de laisser décanter et de faire des recoupements. Il y a tellement de gens prêts à se servir de nous pour assouvir leur petite vengeance. Vous avez interrogé des personnes qui m'en veulent? Non, je laisse parler, c'est mon devoir. Tiens, par exemple, là-bas à Bruyères, on m'a dit que vous aviez eu à plusieurs reprises des discussions d'intérêt avec votre oncle.
Moi? Absolument pas. Ah non? Ah oui, mais je vois de qui ça vient. De la femme de ménage, n'est-ce pas? Elle m'en veut parce que j'ai toujours incité mon oncle à prendre une domestique à demeure. Mais c'est elle qui a trouvé le corps ce matin. Elle a alerté les gendarmes et selon le médecin légiste, la mort remonte à hier soir entre 9h et 10h. Où étiez-vous à cette heure-là? Chez moi. Et à quoi avez-vous passé la soirée? J'ai dîné assez tard. Ouais. Et vous avez regardé la télévision? Non, je ne l'ai pas. Pas de chance. Hein. Si je vous avais dit oui, vous m'auriez demandé de vous raconter l'émission. Ah, sûrement. Non, je regrette, j'ai lu jusqu'à 10 heures. Et puis, mon Dieu, je me suis couché. Oui. Quelqu'un peut en témoigner de ça? Je suis célibataire, je couche tout seul. Et pas de domestique? Une femme de ménage qui vient seulement le matin donner un coup de balai, préparer mes repas. Ouais. Autrement dit, vous n'avez pas d'alibi. Si j'avais pu prévoir, je vous aurais invité à dîner, inspecteur. Merci, merci, merci. Il paraît que dans le tiroir de votre oncle, il y avait un reçu signé de vous reconnaissant qu'il vous avait prêté 1 million. Et ce reçu a également disparu. Si c'est encore la femme de ménage qui vous a raconté ça, c'est que décidément elle m'en veut et qu'elle ne manque pas d'imagination. Mmh. Non, monsieur l'inspecteur, non. Mon oncle ne m'a jamais prêté un sou. Grâce à Dieu, je n'ai besoin du secours de personne. Ah ben, c'est parfait. Parfait, parfait. Si mes renseignements sont exacts, vous êtes légataire universel. Oui. À moins que le notaire ne m'apprenne le contraire. Enfin, vous m'amusez, vous autres policiers. Vous cherchez d'abord à qui profite le crime. En l'occurrence, c'est à moi. Mais franchement, dites-moi, les assassins sont-ils toujours les héritiers? Non, évidemment. Bonsoir, monsieur Grisol. Excusez-moi de vous déranger à une heure pareille. Peut-être allez-vous vous coucher? Oh, non, tout de même pas, il est 9h. Je sais que vous vous levez tôt et je ne vais pas vous tenir longtemps. Non, mais entrez donc, vous en prie. Merci. Oh, ce studio est ravissant. J'adore les meubles anciens dans un décor moderne. Enfin, vous avez un goût. Merci. Pour un meuble ancien, je ferais des folies. Mais malheureusement... Malheureusement? Ce ne sont pas mes appointements d'institutrice qui me permettront jamais d'en acheter. À Londres, à Londres. Un jour, vous marierez avec un garçon qui aura les moyens de vous en offrir. Hein? Marier, moi? Vous m'avez pas regardé. Pardon? Je me vois tous les jours dans la glace, cher monsieur. Et ça n'est pas gai. Ce n'est pas pour rien que mes élèves m'appellent la belette. Vous savez, mademoiselle, la beauté passe, tandis que le charme, l'intelligence... Je n'ai aucun charme. Ce n'est pas à vous de juger. Quant à votre intelligence, vous êtes très fine. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de le constater au cours de nos comités du secours social. Ah oui, vos remarques sont toujours pertinentes et vos suggestions mûrement réfléchies. Mmh. Et puis vous êtes une femme d'action, pleine d'énergie. Un homme pourrait être très heureux avec vous. Malheureusement, j'aurai bientôt 40 ans. Je suis la pauvre fille du bal qui reste sur sa chaise. Qu'est-ce que je vous offre? Rien, merci. Cigarette? J'ai les miennes. Alors, c'est le vice-président du comité que vous venez voir? Non, c'est Monsieur Grisol, simple particulier. Ah, et de quoi s'agit-il? Voilà, j'ai une petite élève, Odette L'Herbier, dont les grands-parents habitent à Bruyères, la maison qui fait face à celle de votre oncle, Monsieur Noël Grisol. Oui, oui, en effet, les grands-parents et mon oncle entretiennent des relations de bon voisinage. Je crois même que c'est Monsieur Grisol qui vous a demandé de prendre le papa d'Odette comme magasinier à votre usine. C'est exact. L'Herbier vivait assez chichement à Bruyères, chez ses parents, avec sa femme et sa fillette. Ils sont venus s'installer à Saint-Vincent et je suis très satisfait de ce garçon qui a maintenant une gentille situation. Vous désirez que je fasse encore quelque chose pour lui? Non. Non, il ne s'agit pas de cela. Figurez-vous qu'à l'occasion de la fête de Saint-Vincent, les enfants ont eu congé de samedi midi à ce matin mardi. La fête du pays étant hier. Mm-hmm. Monsieur L'Herbier en a profité pour envoyer Odette chez ses grands-parents. Elle a 12 ans, elle parle de car, aucune difficulté. Mm. Or, j'avais indiqué à mes élèves le sujet de rédaction qu'elles auraient à faire ce matin en rentrant en classe. Ce sujet était « Ce que j'ai vu de ma fenêtre mm. ». Elles avaient à y penser pendant les fêtes, afin d'exercer leur faculté d'observation. Cet après-midi, en corrigeant les copies pendant la classe de dessin, j'ai trouvé les lignes suivantes dans la rédaction d'Odette. Cette nuit de juillet était étouffante. Je me suis levée et j'ai été prendre un peu l'air à la fenêtre.
10 heures ont sonné au clocher du village, et peu de temps après, j'ai vu le patron de papa sortir en courant de chez son oncle Noël, Monsieur Grisol, une grosse serviette sous le bras. Et il est parti à toute vitesse dans sa jolie petite auto anglaise. Voilà. J'ai demandé à Odette de me préciser de quelle nuit il s'agissait. Elle m'a répondu, dans la nuit de dimanche à lundi. C'est celle où votre oncle a été assassiné. Ah. Vous savez. Ici, les gens ignorent ce qui se passe dans un village situé à 50 km de Saint-Vincent, et qui plus est se trouve dans un autre département, mais moi, je suis abonné à un journal de Poitiers. Et c'est par un article en 4e page que j'ai appris la chose. J'ai même lu que vous aviez affirmé n'avoir pas bougé de chez vous. Vous avez menti. Car vous le voyez, la vérité peut aussi sortir de la plume d'une enfant. Monsieur Grisol, si ce texte tombait entre les mains de la police, ne croyez-vous pas que ces messieurs aimeraient en savoir davantage? Ces gens-là ont la manie d'entrer dans les détails. Ils vous mettront sur la sellette, se relayant au besoin. Et quand ils sont décidés à faire parler à un suspect, ils vont jusqu'au bout. Vous le savez. Oh, comme vous êtes pâle. Remettez-vous. Vous pouvez tout me dire, tout m'avouer, car vous n'avez rien à craindre de moi. Parce que? Parce que je n'ai pas l'intention de vous dénoncer. Vous avez tué votre oncle, n'est-ce pas? Votre silence est un aveu. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder votre visage. Ce n'est pas beau, un homme qui a peur. Mademoiselle Castillon. N'approchez pas, restez où vous êtes. Cette rédaction, vous pensez bien que je ne l'ai pas sur moi. Elle est en lieu sûr. J'ai envoyé un mot à mon amie la plus intime. Si j'étais victime d'une mort suspecte, elle n'aurait qu'à se rendre à la cachette que je lui indiquais. Elle y trouverait un certain devoir d'élève qui expliquerait tout. Me perdre serait vous perdre. Je me sens donc en pleine sécurité auprès de vous. Et maintenant, nous pouvons tout nous dire. Jouer carte sur table. Ce qui signifie? Vous êtes un nerveux, Monsieur Grisol, un impulsif. Je vous connais bien. Je fais de la graphologie et j'ai étudié votre écriture. Vous avez tué votre oncle sur un coup de colère, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu préméditation, j'en suis sûre. Ce vieillard a dû vous exaspérer et, réflexe bien connu, vous lui avez sauté à la gorge. C'est bien cela? C'est bien cela? Oui. Et comme vous aviez des ennuis d'argent, vous avez pris celui qui était dans le tiroir en pensant qu'après tout, tôt ou tard, il devait vous revenir. C'est juste? Oui. Rassurez-vous, je me tairai. Mais je suppose que vous y mettez une condition. Naturellement. Combien? Pardon? Mais je suis héritier de mon oncle, j'aurai les moyens de vous racheter cette rédaction. Quel est votre prix? Vous ne devinez pas. Je vous écoute. Alors soyez gentil, ne me regardez pas. Ce que j'ai à vous dire est suffisamment difficile. Merci. Monsieur Grisol, celle qui vous parle est une pauvre fille. La nature l'a affublée d'un physique que les gens qualifient d'ingrat. Moi, je dis que je suis laide, affreusement laide. Jamais un homme ne m'a fait la cour. Quel est mon avenir? Éduquer des fillettes, la plupart jolies et fraîches, pour en faire un jour des épouses heureuses, tandis que moi, je continuerai ma route toute seule, me desséchant peu à peu, pour finir dans la peau d'une vieille fille, avec pour compagnon un pauvre chien perdu comme moi. J'aurais vécu sans espoir, et je ne pourrais m'accrocher à aucun souvenir. C'est atroce, et je ne m'y résigne pas. Alors je vous supplie de me comprendre. Ce soir, je viens courir ma chance, la seule chance de ma vie.
et je suis venu vous dire ceci. Je ne vous dénoncerai pas. En échange, donnez-moi l'illusion que, moi aussi, quelqu'un peut m'aimer. Evelyne ? Maman ? Une petite fille vient d'apporter une lettre pour toi. Merci. Qu'est-ce que c'est, on peut savoir ? Curieux. C'est Mademoiselle Castillon qui me prie de passer chez elle de toute urgence. Elle a, paraît-il, quelque chose d'important à me faire savoir. Tu vois de quoi il s'agit ? Non, pas du tout. En tout cas, si Mademoiselle Castillon a quelque chose à me dire, elle n'a qu'à venir me voir. Je suis pas à ses ordres. Depuis quelques semaines, elle affiche une attitude que je ne lui connaissais pas. À la dernière réunion du secours social, elle m'a parlé sur un petit ton protecteur qui m'a souverainement déplu. Tu ferais peut-être quand même bien d'aller voir ce qu'elle veut. Non, je n'irai pas. Pascal, tu n'as tout de même pas t'étonné de me voir chez moi. Ce serait plutôt à moi d'être surprise de te voir ici, mettant sans dessus-dessous tous les meubles de ma chambre. Je devais en effet ne revenir que par le train de 7 heures, mais on m'a ramené en voiture. Remets ce tiroir en place, tu veux? J'aime autant te dire que cette fameuse rédaction n'est pas ici. La maison est petite, mais il te faudrait au moins une après-midi pour la dénicher. L'ennui, c'est que je ne m'absente jamais aussi longtemps. Je suis si bien près de toi. Embrasse-moi. Non. Pascal, tu n'es pas raisonnable. Je te sauve chaque jour, mon chéri. Ne l'oublie pas. Embrasse-moi. Je te déteste. Et moi, je t'aime, mon chéri. Maintenant, si tu veux, mon petit Pascal, nous allons parler sérieusement. De quoi ? Et voici bientôt 3 semaines que la vie nous a rapprochés. Je t'aime de plus en plus. Et j'ai décidé que dimanche prochain, nous allions annoncer officiellement nos fiançailles. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que nous allons nous marier. Tu es folle ! De toi, oui. J'ai bien réfléchi. Et j'en ai conclu que tu ne pourrais jamais trouver une meilleure épouse que moi. Tu plaisantes ? Oh, Dieu, non. Écoute, Juliette. Tu es un faible. Et pour que dans la vie, tu deviennes vraiment quelqu'un, tu as besoin d'une compagne solide sur qui t'appuyer et auprès de qui prendre des conseils. Je peux être cette femme-là. Je suis sûre que je pourrais très bien t'aider à diriger ton usine. J'y apporterai de l'autorité, de l'ordre, et au point de vue financier, je vois très bien ce qu'il faut faire pour redresser la situation. Tu perds ton temps, jamais. Tu entends, jamais je ne t'épouserai. Et moi, je ne renoncerai jamais à toi. Je n'ai qu'une seule carte entre les mains et je n'hésiterai pas à la battre. Dimanche, nous annoncerons nos fiançailles. Sinon... Sinon ? Pourquoi me poser une telle question ? Je veux te l'entendre dire. Sinon, j'appelle la police et ce soir, tu es en prison. Quoi ? Entre 20 ans de réclusion et moi. J'aime à croire que j'aurai la préférence. Tu acceptes ? Oui ou non ? Tu es la plus forte. Je suis heureuse de te voir raisonnable. Maintenant, reste la belle Evelyne. Je tiens à ce que tu lui annonces toi-même notre mariage. Non, ce n'est pas possible. Il le faudra pourtant. Et je serai dans la pièce voisine à vous écouter. Je n'aurai jamais le courage de lui parler, de lui faire un tel chagrin. Oh, ce n'est qu'une petite fille. Et Dieu sait sur quelle niaiserie repose un premier amour. Tu n'y comprendras jamais rien. Il n'y a que toi au monde, tu sais. Rassure-toi. Avec sa dot, elle ne manquera pas de mari. Enfin, elle ne mérite pas un tel coup. Si. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle m'a humiliée. Souviens-toi, un jour, à la fin d'une séance du comité, elle a convié chaque assistant, l'un après l'autre, à une réception que donnaient ses parents. J'ai été la seule à ne pas être invitée. Une simple maîtresse d'école, tu penses ? Elle est passée devant moi comme si je n'existais pas et s'est adressée à la personne suivante. Ça, je ne le lui pardonnerai jamais.
Ce jour-là, j'ai juré de me venger. En voici l'occasion. Je lui ai fait porter un mot, la priant de venir ici tout de suite. Vraiment, elle ne viendra pas. Pauvre petite. Tiens, la voilà. La curiosité a été plus forte que l'orgueil. Excuse-moi, je ne veux pas la faire attendre. Bonjour. Vous avez quelque chose à me dire? Pas moi, Monsieur Grisol. Pascal Grisol? Il est ici? Oui. Si vous voulez bien me suivre. Entrez, entrez. Je n'ai pas besoin de vous présenter. Je vous laisse. Monsieur Grisol, que signifie ce... Ne te donne pas tant de peine. Juliette est parfaitement au courant de ce qu'il y a entre nous. Juliette? Tu appelles cette personne par son prénom? Oui. Quelle conclusion dois-je en tirer? Oh, Evelyne, je vais te décevoir affreusement. Je te demande pardon de la peine que je vais te faire. Mais ce n'est pas nous qui menons la vie. Nous nous sommes aimés sincèrement, profondément. Excuse-moi, je ne trouve pas mes mots. Mais qu'est-ce que tu as? Pascal, que se passe-t-il? Comme tu es pâle. Assieds-toi. Evelyne. Evelyne, il faut que tu m'oublies. Tu peux être très heureuse avec un homme qui sera plus digne de toi que je n'aurais jamais pu l'être. Je vais me marier. Te marier? Mes fiançailles seront annoncées dimanche prochain. J'épouse Juliette Castillon. La Belette? Oh non. Alors, c'est une blague. Alors, tu es fou? Non. Enfin, Pascal, jamais. Jusqu'ici, tu m'avais parlé d'elle. Voilà 3 semaines que je t'évite, parce qu'il y a 3 semaines que Juliette est entrée dans ma vie. Et tu l'aimerais plus que moi? Ne me demande rien. Je ne peux te répéter qu'une chose, nous ne sommes pas maîtres de notre destinée. Ça, ce n'est pas possible! Pascal, il y a autre chose. Que s'est-il passé? Va-t'en, je t'en supplie, va-t'en! Cette conversation nous fait souffrir si inutilement, je le jure, si inutilement. Soit. À mon tour, Pascal, j'ai quelque chose à te dire. Tu me connais. J'ai mes défauts. Mais je suis incapable de mentir, ça tu le sais. Oui. Je voulais venir te voir chez toi ce soir. Parce qu'hier, sous un prétexte quelconque, je suis allée à Paris. Tu connais le docteur Vernon, le vieil ami de la famille? Oui. Tu peux lui téléphoner, son numéro est dans l'annuaire. Il te le confirmera si tu le désires. J'attends un enfant, Pascal. Lieutenant, bonsoir. C'est à moi que la gendarmerie désire parler? Oui, monsieur Grisol, on m'a dit à votre usine que vous seriez absent tout l'après-midi. Il est 7 heures, alors je viens de sonner chez vous et ne vous trouvons pas, j'ai la repartie. Eh ben oui, vous me trouvez. Mais où est ma voiture? Elle n'est plus là? Mais non, je l'avais laissée devant la porte, elle a disparu, j'espère qu'on ne l'a pas volée. Et à quel moment l'avez-vous vue pour la dernière fois? Quand je suis reparti de chez moi, à 2 heures, après le déjeuner. J'avais des achats à faire à Germigny, le notaire y allait aussi, il m'a emmené, mais là-bas j'ai été retardé, il n'a pas pu m'attendre. Alors je suis revenu par la Micheline. Ça par exemple, j'aimerais bien savoir ce qu'est devenue ma voiture. Eh ben moi je peux vous le dire. Comment? C'est même pour ça que je suis ici. Où est-elle? Écrasée contre un arbre à 9 km de Saint-Vincent, au croisement de la départementale, oui, sur la route de Germigny. On ne comprend pas ce qui s'est produit. La conductrice a perdu le contrôle de la voiture. La conductrice? Mademoiselle Duclerc. Evelyne Duclerc. Oui. Elle est morte sur le coup. Evelyne. Morte. C'est pas possible. Mais que faisait-elle au volant de ma voiture?
Je pensais que vous me le diriez. Comment voulez-vous que je le sache? Je comprends rien, moi, absolument rien. Evelyne conduisant ma voiture. Mais à la suite de quoi? Et c'est ce qu'il va falloir déterminer. Vous étiez très amis, je crois. Nous connaissions bien, oui. Oh, ça, je ne peux pas réaliser. Alors, tâchez de retrouver votre sang-froid, monsieur Grisol, car je ne vous ai pas tout dit. Qu'est-ce qu'il y a? Et il y a en outre dans cette affaire un détail troublant. Mais quoi donc? Nous avons cherché les causes de l'accident. Oui, et que cette vitesse, oui, non? Oui, mais nous avons trouvé autre chose de plus grave. De très grave, même. Quoi? Vos freins ont été trafiqués. Hein? Oui, au tournant, ils ont fonctionné à vide et le véhicule est allé percuter à 130 dans les décors. Il y a eu sabotage. Oh, la première personne qui devait se mettre au volant était condamnée à mort. C'est-à-dire, moi? Ouais, de toute évidence, vous étiez visé. Enfin, mais qui a pu faire cela? Qui? Et quelqu'un qui avait juré de vous régler votre compte. Vous connaissez-vous des ennemis? Des ennemis, non. Vous savez, il y a des êtres qui font mal uniquement pour le plaisir. Oh, ça j'y crois guère, les crimes gratuits sont beaucoup, beaucoup plus rares qu'on ne pense. Est-ce que quelqu'un vous a déjà menacé? Non. Non. Alors je m'en souviens pas. Eh bien, il va falloir y réfléchir, et si un nom vous revenait à l'esprit, donnez-moi tout de suite un coup de fil. Nous irons au fond des choses. Madame Duclerc? Oui, monsieur. Asseyez-vous. Inspecteur Gassin de la Sûreté nationale. Madame, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet de l'accident survenu à votre fille. Tout en vous priant de m'excuser, j'aurais voulu éviter de raviver une douleur à laquelle seul convient le silence, n'est-ce pas? Monsieur, c'est affreux. Elle aurait été gravement malade, j'aurais peut-être eu plus de courage, mais peut-être me serais-je habitué à l'idée de la perdre, ce coup de massue. Excusez-moi, je n'arrive pas à me faire à la pensée que je ne la verrai plus. Que désirez-vous savoir? J'ai été alerté par la gendarmerie, ayant déjà eu à enquêter à Saint-Vincent sur une affaire qui n'est peut-être pas sans rapport avec la mort tragique de votre fille. Voilà, que pouvez-vous me dire sur les instants qui ont précédé son départ dans l'auto de M. Grisol? Je sais très peu de choses, monsieur, car Evelyne n'était guère expansive. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'hier, dans le milieu de l'après-midi, Mademoiselle Castillon, une des institutrices de l'école communale, a sonné et a demandé à parler à ma fille. Evelyne est descendue au salon pour la recevoir. Leur entretien n'a pas duré plus de 5 minutes. Quel en a été le sujet? Je l'ignore. Evelyne avait 21 ans et il n'était pas dans mes habitudes d'assister aux visites qu'elle recevait. À un moment, j'ai cru qu'il s'agissait du secours social dont toutes deux s'occupaient. Et après l'entretien, elle ne vous a rien dit? Elle n'en a pas pris le temps. Elle est sortie brusquement du salon et m'a crié dans l'escalier: « Maman, je m'en vais, je reviens dans 1 heure. » Elle est partie en courant. Dans quelle direction? Du côté de l'église. Oui, c'est-à-dire vers la maison de M. Grisol qui avait laissé sa voiture devant la porte. Oui. Et sur quel ton vous a-t-elle crié qu'elle partait? Semblait-elle angoissée? Non, pas du tout, au contraire. J'en ai été heureuse car depuis la veille, elle avait l'air désespérée. Je lui avais posé des questions, vous le pensez. Mais elle avait tout mis sur le compte d'une forte migraine. Oui, tandis qu'après son entretien avec Mademoiselle Castillon, elle semblait rassurée. Je peux même dire joyeuse. Comme quelqu'un qui vient d'apprendre une très bonne nouvelle. Ah. On dit dans le pays qu'il y avait un projet de mariage entre votre fille et M. Grisol, est-ce exact? Les gens sont décidément mieux renseignés que moi. D'ailleurs, ils marient invariablement un garçon et une fille qu'ils ont rencontrés plus de 3 fois ensemble. En fait, bien qu'Evelyne ne m'ait jamais rien dit de ses sentiments envers M. Grisol, j'avais deviné bien des choses. Les intuitions d'une maman ne trompent guère. Elle me parlait souvent de lui et je m'attendais à ce qu'un jour ou l'autre, elle entre enfin dans la voie des confidences. Et ce mariage vous aura-t-il convenu, madame? Mon Dieu, pourquoi pas? M. Grisol est un garçon d'excellente éducation, sérieux et travailleur. Ses affaires connaissent un certain ralentissement, comme en ce moment toute l'industrie. Mais je crois que s'il avait demandé Evelyne en mariage, mon mari ne s'y serait pas opposé.
Et Mademoiselle Castillon, quand sa visite a été terminée, qu'a-t-elle fait? Elle est partie. Elle est partie avec votre fille? Non, non. Seule dans la direction opposée. J'ai tout lieu de croire qu'elle se dirigeait vers la gare. Elle avait une valise à la main. Oui, elle aurait donc quitté Saint-Vincent. C'est probable. Mais le mieux serait d'aller sonner à l'école communale. Oui. Elle habite la petite maison bleue à gauche du préau. Bon. Si on ne répond pas, c'est qu'elle sera partie en vacances. Mademoiselle Mazet, la directrice, devrait pouvoir vous donner son adresse. Oui, vous avez raison, je vais y aller. Bon, je vous remercie, madame. Bonjour, madame. Mademoiselle Juliette Castillon sera-t-elle ici? Que lui voulez-vous? Lui parler. Qui êtes-vous? Inspecteur Gassin. Inspecteur de quoi? De police. Voilà ma carte. Ah. Mademoiselle Castillon est là? C'est moi, monsieur. Ah, vous mettez bien du temps à vous faire connaître. Vous méfieriez-vous? Moi? De quoi? C'est précisément ce que je suis venu savoir. Qui vous a donné mon adresse à Poitiers? Votre directrice. Vous venez de Saint-Vincent? Oui, j'en arrive à l'instant même. Vous êtes ici chez vos parents? Oui. Ils sont absents jusqu'à la fin de la semaine. Eh bien, c'est parfait. Nous allons pouvoir parler librement. De quoi s'agit-il? De l'accident mortel survenu hier, mademoiselle Evelyne Duclerc. Quoi? La petite Duclerc est morte? Oui. Et que s'est-il passé? C'est ce que je viens vous demander. À moi? J'en sais rien. C'est vous qui m'annoncez la nouvelle et vous m'envoyez bouleversée. Hein? Vous vous doutiez pas un peu que les heures de cette jeune fille étaient comptées? Que voulez-vous dire? Écoutez, mademoiselle, nous nous trouvons devant un crime. Et j'ai tout lieu de croire que le mobile de ce crime est la jalousie. Dans des circonstances que j'ignore encore et sur lesquelles vous allez, j'espère, m'éclairer, mademoiselle Duclerc a pris la voiture de M. Grisol et s'est lancée à toute vitesse dans la direction de Germigny. Au premier tournant, elle est allée s'écraser contre un arbre. La voiture n'avait plus de frein, parce qu'ils avaient été sabotés. Qui a fait cela? C'est à vous que je le demande. Mais je suis incapable de vous répondre, je ne sais rien. Vraiment? Asseyez-vous. Je ne sortirai d'ici qu'après avoir appris la vérité, toute la vérité. Je vous préviens, je suis têtu et patient. Extrêmement patient. Vous suiviez bien à Saint-Vincent des cours de technique automobile. Oh, technique automobile me semble un bien grand mot. Des cours de perfectionnement. Oui, mais enfin, il s'agissait tout de même d'un cours enseignant le fonctionnement d'une voiture avec schéma et description des éléments qui la constituent. On m'a même dit que vous ne cessiez de poser des questions à l'instructeur. Parce que ce brave homme n'avait aucun sens pédagogique. Ces explications manquaient de clarté. Et moi, figurez-vous, j'aime comprendre. Pourquoi suiviez-vous ces cours? J'ai eu mon permis l'année dernière. Mais je n'avais encore pas eu le temps d'assister à ces séances comprises dans le forfait. J'estime que pour bien conduire, il faut connaître sa voiture. C'est utile aussi en cas de panne, non? Si, si, bien sûr. Peut-être pensez-vous que je cherchais à savoir comment on trafique des freins. Mon devoir, mademoiselle, est de tout soupçonner. Je vais maintenant vous poser une seconde question à laquelle vous allez me répondre spontanément, sans réfléchir. Parce qu'à la moindre hésitation, j'aurais compris que vous mentez. Je n'ai rien à cacher, allez-y. Étiez-vous la maîtresse de M. Grisol? Oui. Comment le savez-vous? Vous n'ignorez pas que dans les petites villes, tout se sait. On vous a même rencontré tous les deux en promenade dans les environs, et c'est vous qui conduisiez la voiture de votre ami. Alors ce genre de confiance en dit long. Troisième question. Vous saviez qu'il y avait un projet de mariage entre M. Grisol et Mlle Duclerc? Oui. Et de là à supposer que j'ai voulu supprimer une rivale, il n'y a qu'un pas. Depuis quand étiez-vous la maîtresse de M. Grisol? 3 semaines. Et son projet de mariage avec Mlle Duclerc était déjà arrêté, je pense, bien avant le jour où vous êtes entré dans sa vie? Oui. Veuillez maintenant m'excuser d'entrer dans des détails qui vous paraîtront peut-être indiscrets. Au point où vous en êtes. En quelles circonstances êtes-vous devenue la maîtresse de M. Grisol? J'étais venue un soir chez lui pour lui parler du secours social dont il est le vice-président. Oui. J'avoue avoir été attirée dès le premier jour par ce garçon très séduisant. Ce soir-là, il l'a compris et il en a profité. Et vous vous êtes revue? Tous les jours. Vous l'aimiez? À la folie, comme on dit dans la presse du cœur. Et vous avez mis au courant de son projet de mariage avec Mlle Duclerc? Oui. Alors vous deviez donc vous attendre à ce que tôt ou tard, il rompe avec vous. Ah, parce que vous estimez que je n'aurais pas eu la préférence.
Eh bien, erreur, cher monsieur, erreur. Pascal était décidé à rompre avec Evelyne. C'est tellement vrai qu'il le lui a signifié en langage clair et précis. Vous en êtes sûr? Je les ai entendus. J'étais dans la pièce à côté. Et quelle a été la réaction de Mlle Duclair? Celle que nous n'attendions pas et qui a immédiatement changé la face des choses. C'est-à-dire? Effondrée, Evelyne a annoncé à Pascal qu'elle attendait un enfant. De lui? Oui. Elle avait donc été sa maîtresse? Il faut croire. Elle l'aimait beaucoup, elle aussi? À la folie. Ne croyez-vous pas que Mlle Duclair a bluffé pour tenter de sauver son bonheur? Non. C'était sûrement la vérité. D'après votre directrice, vous êtes parti en vacances 3 jours plus tôt que vous ne l'aviez prévu et vous avez déclaré que vous ne reviendriez jamais à Saint-Vincent. Je crois que d'ailleurs que vous avez demandé votre changement. C'est exact. Je ne voulais plus me retrouver en présence de Pascal. Je ne lui ai même pas dit au revoir. C'eût été trop pénible pour moi. Mais en somme, vous êtes parti comme quelqu'un qui avait quelque chose à se reprocher. Comme une criminelle. C'est cela que vous voulez dire? Oh. Non, monsieur l'inspecteur. Ce qui est vrai, c'est que je suis partie un peu comme une voleuse. Car j'ai eu tout à coup la conscience que j'allais voler le bonheur de deux êtres qui s'aimaient. Eh oui, on a de ces faiblesses. Mmh. Et aussi cher que cela m'ait coûté, j'ai voulu disparaître de leur vie. Evelyne attendait un enfant. J'ai rendu sa liberté à Pascal pour qu'il l'épouse. C'était son devoir. Vous vous êtes sacrifié. Je le devais. En allant à la gare, vous vous êtes arrêté chez Evelyne Duclair. Qu'aviez-vous à lui dire? Eh bien, figurez-vous qu'hier, après-midi, à 3h30, j'étais chez moi à Saint-Vincent, en train de terminer ma valise. J'avais déjà le matin enregistré une malle. Le téléphone sonne. C'était Pascal. Il m'appelle de la poste de Germigny, à 18 km de Saint-Vincent. Il me dit, je suis venu avec le notaire dans sa voiture. Malheureusement, les achats que j'ai à faire me prennent plus de temps que je ne prévoyais et il n'a pas pu m'attendre. Oui. Je reviendrai bien par la Micheline, mais je ne pourrai pas être à Saint-Vincent pour 5h30. Et à cette heure-là, j'ai rendez-vous à l'usine avec un gros client. Oui. Il n'est pas question que je le manque. Saute dans ma voiture qui est devant la porte de chez moi et viens me chercher. Les papiers, c'est moi qui les ai. Mais ça n'a pas d'importance, dans la région, on nous connaît. Quant à la clé de contact, il y a un double dans le secrétaire de mon living room. Parce que vous pouviez entrer chez lui. Moi, j'avais une clé. Alors je me suis hâtée de boucler ma valise et en allant à la gare, je me suis arrêtée chez les Duclair. C'était de toute façon dans mon programme. Evelyne m'a reçue dans le salon et je lui ai annoncé que je rendais sa liberté à Pascal pour qu'il puisse l'épouser. Ouais, d'où sa joie. Ah, vous savez... Mais continuez, s'il vous plaît. Quand Evelyne a été certaine que j'étais sincère et que je partais définitivement, je lui ai donné la clé de la maison de Pascal et lui ai demandé de prendre la voiture pour aller à ma place, le chercher d'urgence à Germigny. Mais Evelyne Duclair ne possédait pas de voiture? Non. Alors, moralité, si vous aviez été chercher M. Grisol comme il vous le demandait, c'est vous qui seriez morte. Eh oui. Je me demande qui a bien pu trafiquer ces freins. Personne ne pouvait savoir que ce serait Evelyne ou moi qui serions destinés à prendre cette voiture, donc quelqu'un en voulait à la vie de Pascal. Avait-il des ennemis? Enfin, quelqu'un l'avait-il déjà menacé de mort? Oui, une fois, je crois, un ouvrier congédié. Ah bon, qui? J'ai oublié le nom, mais Pascal vous le dira. De ce côté, peut-être y a-t-il une piste à suivre. Et avez-vous écrit à M. Grisol pour lui confirmer que vous lui rendiez sa liberté? Non. Pourtant, quand on rompt avec quelqu'un et qu'on s'éloigne pour toujours, une lettre ne me semble pas inutile. J'ai chargé Evelyne de lui faire part de ma décision. Cela m'a paru suffisant. Oui, mais je m'étonne tout de même que vous ayez chargé cette jeune fille d'une telle commission. Parce que M. Grisol était en droit de se demander si elle lui disait la vérité. De toute façon, il aurait constaté mon départ. Alors vraiment, vous ne lui avez pas écrit? Je viens de vous dire que non. Une dernière question. À quelle heure avez-vous sonné chez Mlle Duclair? À 4 heures. Je ne suis restée que quelques minutes. Mon train partait à 4h20. Bon. Je vous remercie, mademoiselle. Je vous prierai de ne pas quitter Poitiers sans m'en demander l'autorisation. Ben, vous pouvez toujours me joindre à la police au bureau central. À très bientôt, mademoiselle.
Bonjour, monsieur Grisol. Bonjour, inspecteur. Je suis navré de troubler votre déjeuner. Non, je vous en prie, avec cette chaleur, on a guère faim. Depuis tous ces événements... Oui. Enfin, j'ai appris avec plaisir que vous vous occupiez de l'accident survenu à Evelyne Duclerc. Je viens de voir l'expert de l'assurance, ma bagnole est bonne pour la casse. Non, mais asseyez-vous donc. Merci. Alors, avez-vous une idée de la personne qui a pu saboter mes freins? Oh, bah, des idées, mon cher monsieur, on n'en manque pas. Oui. Qu'elles soient justes, ça, c'est autre chose. Mmh. N'aie pas un peu de feu, par hasard? Si, si, je vous en prie, attendez. Merci. Dis donc, on vient de me parler d'un certain Loury qui, un jour, aurait proféré contre vous des menaces de mort. Ah, on vous a dit? Oui. Vous vous souveniez très bien de ces menaces? Oui. Ben alors, pour ne pas en avoir parlé au lieutenant de gendarmerie quand il vous a interrogé? Parce que ce gars-là est incapable de faire du mal à une puce, j'en ai la conviction. Bah oui, mais une enquête ne peut guère s'appuyer sur des convictions, il nous faut des faits. Enfin, moi je suis allé chez ce nommé Loury. Il est depuis 15 jours à l'hôpital. Ah, vous voyez bien. Alors finalement, où en êtes-vous? Je touche au but. Ah, oui. Mais permettez-moi d'abord de vous poser une question. Pourquoi, l'après-midi de l'accident, avez-vous téléphoné de Germigny à Mademoiselle Castillon? Moi? Je lui ai pas téléphoné. Qu'est-ce qui vous a raconté cette blague? Elle-même. Elle a paraît-il quitté Saint-Vincent. Vous savez où elle est allée? Oui, chez ses parents, à Poitiers. J'y étais hier soir. Enfin, pourquoi a-t-elle inventé ce coup de téléphone? Mais non, elle n'a rien inventé du tout. Ce matin, j'ai consulté la poste de Germigny. Le livre de la téléphoniste enregistre en effet à 3h30 un appel pour le 23 à Saint-Vincent. 23 Saint-Vincent, c'est bien le numéro de Mlle Castillon. Je n'en sais rien, parce que ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un d'autre a pu l'appeler. Pourquoi vous en défendre, allons? Vous avez tout de même bien le droit de téléphoner à votre maîtresse. Ma maîtresse? Ben oui, ne niez pas. Elle-même m'a avoué vos relations. Ah. Et puis je sais encore beaucoup d'autres choses, cher monsieur Grisol. Je ne suis pas indiscret. Oh non, pas du tout. Je sais par exemple que c'est vous qui avez trafiqué vos freins. Quoi? Oui. Puis vous avez manœuvré avec infiniment d'astuces pour que Juliette Castillon vienne vous chercher dans votre voiture à Germigny. Vous vous étiez rendu dans ce seul but. Vous n'aviez qu'une idée, monsieur Grisol, vous débarrasser d'elle, la tuer en provoquant un accident afin de pouvoir épouser Evelyne Duclerc. Ah, si, 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 ce mariage arrangeait tout pour vous. Malheureusement, vous avez manqué votre but. C'est celle que vous aimiez qui est morte. C'est monstrueux! Non, le fait est là, monsieur Grisol, cruel et inattendu. Evelyne Duclerc a pris au volant la place que vous destiniez à Juliette Castillon. Seul détail de votre plan que vous n'aviez pas prévu. Voulez-vous maintenant que je vous dise pourquoi a eu lieu cette substitution? Dites! Tout simplement parce que Mademoiselle Castillon avait décidé de vous rendre votre liberté afin que vous puissiez épouser la mère de votre enfant. Elle avait chargé Evelyne de vous annoncer la bonne nouvelle. Juliette avait renoncé? C'est pas possible. Enfin, vous mentez! Ou alors c'est à devenir fou, non? Enfin, quelle preuve avez-vous de ce que vous me racontez? Cette lettre, monsieur Grisol. Cette lettre. Vous reconnaissez l'écriture? Oui. Elle est bien de Juliette Castillon, n'est-ce pas? Oui. Et voilà. Je comprends maintenant pourquoi elle niait l'avoir écrite. Car à son corps défendant, elle constitue une formelle accusation contre vous. Comme... Oui, je l'ai récupérée en interceptant votre courrier ce matin. Vous n'avez pas le droit. Ah si, monsieur, j'ai tous les droits. Cet après-midi-là, donc, Mlle Castillon a acheté à la boîte une lettre que voici, avant la levée de 4 heures. Le directeur de la poste me l'a confirmé. Puis sa valise à la main, elle est entrée chez Mademoiselle Duclerc. Elle lui a annoncé qu'elle s'éloignait pour toujours et lui a demandé d'aller à sa place vous chercher dans votre propre voiture. Ensuite, elle a pris le train, ignorant qu'elle avait envoyé Evelyne à la mort. Voilà, je vais maintenant vous lire l'essentiel de la lettre qu'elle venait de vous poster. Et vous comprendrez pourquoi elle préférait jurer qu'elle ne vous avait pas écrit. Elle essayait encore de vous sauver. Oui. Voilà. Je te remercie des moments de bonheur que tu m'as donnés. Ces quelques souvenirs m'aideront peut-être à vivre. Je m'en vais pour toujours. Épouse Evelyne et essaie d'être heureux. En cadeau de mariage, je joins cette feuille de papier quadrillé qui t'a trop longtemps empêché de dormir. Brûle-la toi-même au plus vite, afin que la police ignore toujours. Oui. Alors vous m'excuserez, monsieur Grisol, si je conserve par-devers moi cette feuille couverte d'une écriture d'enfant. J'aimerais interroger cette petite Odette L'Herbier pour qu'elle me précise certains détails de sa rédaction. Elle est intitulée, vous vous en souvenez, « Ce que j'ai vu de ma fenêtre ».